Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien, que cet été s'est bien passé pour vous. Donc nous nous retrouvons pour un horoscope spécial septembre 2023, donc spécial rentrée en même temps. Bon anniversaire à ceux qui vont le souhaiter durant ce mois-ci, donc les vierges et les balances, hein, selon la date exacte. Donc merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui continuent à me suivre, à liker, à partager, hein, c'est un peu le nerf de la guerre. Merci à Pierre pour son petit cadeau qui m'a bien fait plaisir, hein, un tarot très 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 joli, donc qui me plaît très bien, donc je pense que je vais l'utiliser dans un prochain tirage. Donc voilà pour vous, écoutez, je vous souhaite une bonne lecture, ça commence bien, une bonne écoute, et surtout, n'oubliez pas les petits pouces, tout est dans la barre de description, que ce soit pour les dons PayPal ou, c'est en tant qu'amateur, hein, il faut bien vivre aussi, et ainsi que toutes les références des jeux de cartes utilisés, et ainsi que la musique. Donc je vous souhaite un excellent mois de septembre, et nous allons voir ce que les tirages de cartes donnent pour chacun d'entre vous et chacune d'entre vous. Namasté, à très bientôt. Namasté les lions, les lionnes. J'espère que vous allez bien. Donc, pour ce mois de septembre, première carte, oracle des maîtres ascensionnés. Donc, va donner un petit peu l'ambiance, hein, du mois. Après, à vous de voir, en fonction de votre situation. Donc, première carte, vous avez eu la Vierge Marie, donc excellente carte. Maternez-vous. Donc là aussi, comme pour les béliers, comme pour les gémeaux, ou les cancers, donc allez voir si c'est votre ascendant, ou celui d'un proche. Il y a vraiment ce côté, prendre soin de vous, dans le sens où peut-être qu'avant, vous aviez tendance à faire passer les autres un peu avant, hein, et... contrairement à ce qu'on pourrait penser, enfin ça c'est mon avis, après vous en faites ce que vous voulez, c'est un tort. Hein, parce qu'à partir du moment où on se consacre trop pour les autres, on s'oublie soi-même et automatiquement on s'épuise et au bout d'un moment on a les batteries qui sont à plat, hein, tôt ou tard, hein, ça peut prendre des semaines, des mois, mais voilà, c'est ça. Donc il faut trouver ce juste équilibre, hein, d'être bien soi-même pour pouvoir mieux s'occuper des autres. Hein. Par expérience, je sais de quoi je parle. Je ferme la parenthèse. Donc, avec ce maternez-vous, c'est vraiment, vraiment, vraiment ce côté aimez-vous comme vous pourriez aimer votre enfant, votre mari, mais vraiment, avec cette dynamique, cette énergie, hein, que peut avoir une mère ou un père par rapport à d'autres personnes. Hein, mais c'est vraiment... Voilà, et vraiment ce côté de cocooning pour vous, hein, ça ne veut pas dire de laisser tomber tous les autres, mais c'est vraiment, prenez vraiment soin de vous, mais dans le sens, vraiment, aimez-vous plus que vous ne vous aimez maintenant, dans le sens où peut-être que des fois vous dites, oh, quel con, quel conne, mais non, justement, il ne faut pas, parce que justement, vous êtes une bonne personne, hein, d'accord? Donc là, ce mois de septembre, ça va être vraiment pour vous. En même temps, ça peut être ressourcez-vous aussi. Bon, même si vous sortez des vacances, bon, et avec la rentrée, parfois, ce n'est pas toujours très simple. En plus, il y a des enfants. Ensuite, avec l'oracle des nombres, vous avez eu, décidément, harmonie affective. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, ce besoin de relationnel, ce besoin de, alors, ce besoin d'amour, hein, si on veut résumer en un seul mot. Pas que vous n'en ayez pas, mais parce que vous avez vraiment cette envie qui est vraiment en vous de que tout autour de vous, que votre bulle de protection, que votre bulle de confort soit vraiment harmonieuse, qu'il y ait de la compassion, qu'il y ait de la gratitude, aussi bien envers les autres qu'envers vous-même, hein, et surtout que aussi les autres vers vous. Hein, vous voyez, il y a vraiment ce côté d'osmose, ce côté de flux, aller-retour, hein, on sent vraiment ça, et c'est vraiment ce qui va être votre cheval de bataille pour ce mois de septembre. Mais en même temps, dans ce que je ressens, il y a vraiment ce côté où, en fin de compte, par vos actions, par vos paroles, par votre énergie elle-même, il va y avoir comme une sorte de fluidité, hein, au niveau de cette harmonie affective, parce que justement, vous allez être bien entouré, ou vous êtes déjà bien entouré, et vous allez... ça va être comme si, presque... plus que naturel, quoi. Je veux dire, il y aura à la rigueur, je dirais, il n'y aura pas besoin d'effort ou d'aller chercher quelque chose ou quelqu'un, justement, pour l'obtenir, parce que vous allez être dans cette dynamique-là et vous allez automatiquement attirer ça à vous, puisque vous le dispensez.
Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu profond silence, méditation. Donc vous voyez, je pense qu'il y a vraiment pour certains d'entre vous, il y aura un besoin justement de peut-être de vous retrouver seul, de vous mettre à l'écart, parce que bon, parfois, même si les vacances sont plus qu'agréables, bon, bah, des fois, c'est fatigant les vacances, parce que bon, entre toutes les activités, faire attention à tout le monde, préparer les repas, ou ceci, cela, hein, selon votre cas, il y a vraiment ça aussi. Et donc là, il y a vraiment, dans ce besoin d'harmonie, hein, que vous avez eu avec la carte présente, harmonie affective, je pense que c'est ça. Vous avez besoin de continuer ce besoin d'amour, ce besoin de vous sentir aimé et que vous vous aimiez vous-même. Il y a vraiment ce côté un petit peu, bon, c'est pas du tout, comment dire, comment, égotique, mais il y a vraiment, voilà, il y a vraiment, c'est ce que je ressens beaucoup pour vous ce mois-ci, les lions et les lionnes. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc, il y a vraiment, en même temps, ouais, on voyait, il y a une sorte de. Parce que vous êtes dans une autre dynamique, dans un autre espace, si on peut dire ça comme ça. Hein, votre bulle de confort a changé, a évolué, hein, dans le bon côté des choses. Et automatiquement, il faut vous adapter. Alors, donc, pour certains et certains d'entre vous, il y en a, ça mettra plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs mois, et d'autres plusieurs années, d'autres en 3-4 heures, ça ira parce qu'ils auront compris un certain fonctionnement. Donc il y a vraiment ce côté-là de continuer à être toujours dans cette même dynamique, dans toujours ce besoin d'amour et d'être aimé. Hein, donc après, ça automatiquement, ça engendre de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions, peut-être que vous connaissiez pas ou vous n'aviez pas l'habitude d'avoir ou de ressentir. Donc il y a ça aussi, de vous adapter à ça, et donc vous inquiétez pas, au fur et à mesure, ça viendra. Ensuite, avec l'oracle des artisans de lumière, vous avez eu Sainte Améthyste, alchimie divine. Dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. Vous voyez, il y a vraiment, quoi qu'il arrive, ça, dans ce que je ressens, il y a beaucoup de quoi qu'il arrive à l'extérieur, ben, c'est pas grave. Du moment que vous, vous vous sentez bien, du moment que vous êtes dans la bonne action, bon, par rapport à certaines situations, du moment que vous agissez comme ça vous plaît, automatiquement, les éventuellement obstacles disparaîtront parce que vous allez agir pour votre bien. Hein. Et c'est ça, je pense que ça va être vraiment le mot d'ordre de ce mois-ci, où vous allez vraiment travailler pour vous et avec vous. Et bon, évidemment, en même temps, ça rejaillira sur les autres automatiquement. Hein. Donc maintenant, le côté sentimental, émotionnel, pas rationnel, sentimental. Bon, là, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Donc, première carte avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu automne. Donc là, on voit bon que tout. Je pense que c'est aussi un peu dans l'évolution. Donc automatiquement, quand il y a un domaine qui change, automatiquement le côté, le domaine émotionnel, amoureux, tout ça change aussi, évolue en fonction aussi de ce qui se passe à côté. Hein, que ce soit dans le professionnel, dans l'amical, dans le familial, automatiquement ça engendre des changements sur votre côté sentimental. Et là, en même temps, on voit que c'est comme si vous aviez passé une période, bon, qu'elle soit bonne ou moins bonne, hein, et que là, bon, comme si les choses, voilà. Aller vers le sens logique des choses, et il y a vraiment une certaine harmonie là aussi, on retrouve au niveau de tout ce qui est sentimental, c'est-à-dire que ce côté-là, vous avez peut-être fait des choix, hein, peut-être du ménage aussi, au sens figuré comme au sens propre, hein, et donc automatiquement là, on a l'impression que un petit peu vous allez. L'image va être un petit peu spéciale, mais bon, comme si vous aviez balayé les feuilles mortes. Hein. Il y a vraiment ce côté-là où justement on fait de la place nette, hein, pour préparer une autre période. Hein. Ensuite, vous avez eu la carte stabilité et équilibre. Vous voyez, je pense que le fait d'avoir fait ce fameux ménage, entre guillemets, ça vous permet de retrouver une certaine stabilité, un équilibre de vous-même et avec les autres aussi. Hein, parce que tout est énergie et automatiquement, si vous allez bien, votre entourage, j'irai, ira bien aussi. Je veux dire, il y a toute cette osmose, toute cette fameuse harmonie qu'on parle depuis le début. Hein. Ensuite, avec le pouvoir de l'amour, vous avez eu, ah bah justement, bah décidément, vous avez eu harmonie. Vous voyez, vraiment, ça va être votre mot aussi du mois. Vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante et équilibrée avec tout. Vous voyez, il y a vraiment, c'est ça, hein, ça va être votre ressenti. Alors, donc, et d'un bout, comme je disais tout à l'heure, il y a certaines personnes qui auront plus
de temps pour s'adapter à ce genre de nouvelle énergie. Il y a vraiment, vous allez trouver une harmonie. Alors, je ne sais pas, c'est des choses qui se sont mises en place pendant l'été ou vous avez pris des décisions pendant l'été qui font que vous allez vraiment essayer de vraiment vous occuper de vous, hein, de vous materner, comme on disait avec la toute première carte. Donc, je vous laisse vous poser une question et voici la réponse. Pas le bon moment. Donc après, à vous de voir en fonction de votre question, mais bon, peut-être que chaque chose en son temps, il faut que des premières choses se mettent en place pour que les deuxièmes choses arrivent. Il y a ça aussi. Donc voilà pour vous, les lions et les lionnes. Namasté.